Bonjour les enfants, on encourage Tchantché. Tchantché, Tchantché. D'un soundcheck local. Tu vas regarder la caméra ou je vais te regarder toi? Ah ok, super, très bien. À la base, j'aurais adoré être prof de français. Comment voulez-vous faire comprendre à un élève qu'il faut dire un pétale et pas une pétale quand tu t'appelles le pomme? Tes calories, tu peux les garder. Va dans le cul d'une autre. Non, j'irai pas voir un psy. Les psys, ce sont les premières personnes à avoir besoin d'un psy. On a tous des critères dans l'idéal, hein. Bon, madame, vous êtes avec monsieur, mais enfin, vous avez quand même toujours des critères. Pas d'âme, pas d'âme, pas d'âme. C'est François Pirette. Je connaissais par cœur le spectacle, j'ai très bien connu Chose, celui qui l'a fait connaître au grand public. Vous avez connu Chose? Moi, j'aimais beaucoup le prof des 5e économiques. Allez, les 5e économiques, on se dépêche. Et qu'est-ce que tu fais assis sur le banc, toi? Je le vois bien que t'as ta jambe dans le plâtre, hein? Il n'est pas marqué Ray Charles ici, hein? Ma jambe dans le plâtre. Ma jambe dans le plâtre, ma jambe dans le plâtre. T'as un certificat médical? Donc lui, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de monter sur scène et de faire rire. Ma plus grosse frayeur, c'est que les gens ne rigolent pas. C'est qu'à un moment donné, les gens disent « On s'en fout, rentre chez toi !» Ça, ça me fait peur. Mais ouais, ça, c'est mon angoisse, qu'il n'y ait pas de réaction, quoi. Oui, je m'en souviendrai toute ma vie. La première année que j'ai fait Avignon Action Spectacle, donc c'était en 2017. Mais genre, les 45 premières minutes, il n'y a pas eu un rire, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils sont morts, quoi. Ils sont endormis, ils sont fondus tellement il fait chaud. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, au bout de 40-45 minutes, c'est parti. Et puis à la sortie, les gens étaient ravis, mais pour moi, ça a été dur. Je dirais les bronzés font du ski quand ils goûtent l'alcool au crapaud. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Ça fait du bien. Santé. Ah, vous chansonnez. Santé. Et le dîner de con, quand il y a, comment il s'appelle, Francis Huster qui n'en peut plus, qui est mort de rire, qui dit « la folle va rapiquer, la folle va rapiquer », Jacques Villeray qui dit ça, puis Catherine Fro qui dit « mais de qui il parle ?» et Francis Huster qui se marre, et à mon avis, il se marre vraiment. Vous me dites « l'autre folle va rapiquer, l'autre folle va rapiquer », moi je vois arriver une femme, je me dis « c'est elle, c'est la folingue ». Mais de qui il parle là? J'aime pas trop qu'on se moque des autres. C'est pas trop mon délire. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est ce qui fait un peu la différence entre les humoristes belges et les humoristes français. J'aime pas trop faire des généralités comme ça, mais c'est quand même vrai. Nous, les humoristes belges, on rigole d'abord beaucoup de nous. Et puis après, on peut se permettre de rire des autres. Et les Français, c'est pas toujours dans ce sens-là que ça se fait. Donc je crois que c'est aussi pour ça que les Belges sont autant appréciés en France. Bah, Liège, ce qui est fabuleux, c'est que c'est une ville qui est un village. Tout le monde se connaît à Liège, tu connais toujours bien quelqu'un qui connaît quelqu'un à Liège. Ça, à Paris, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce qui n'existe pas non plus à Paris, mais qui existe à Liège, c'est des bières à 2,20€. À 2,20€, quel gros accent. À 2,20€, parce que les bières sont tellement chères à Paris. Ce qu'il n'y aura jamais à Paris, mais qu'il y a à Liège, c'est les Olivettes, évidemment. Donc c'est ce piano-bar où on va faire des afters, on y va vers 3-4h du matin. Tout Liégeois connaît les Olivettes. Et si vous y allez le samedi, vous pouvez faire un super combo. C'est-à-dire que vous sortez des Olivettes à 8h du matin et vous allez sur la Batte faire votre marché. Et puis vous rentrez chez vous. Un bon dimanche.